Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. Cette opération va se dérouler au Canada. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Des extraterrestres sur Terre. Nous sommes témoins d'un événement historique. Ces armes semblent s'autodétruire à la mort de leur utilisateur. Essayez de voir s'il en reste des morceaux. Ils seront peut-être toujours utilisables pour nos projets. Je me fais attaquer.
alien à terre. D'où vient ce bruit ? C'est tout ce que tu sais faire ? C'était quoi ? Vous avez rien entendu ? Bon sang, c'était quoi ? Je balance la grenade ! Chut ! Vous avez entendu ? C'était quoi ? Ça va exploser!
prochaine fois. Je suis occupé. C'est bon. On y va. J'ai rechargé. C'était quoi? Entendu? Plombé. Il a son corps. J'ai raté la cible. Couvrez mes flancs. C'était du bon boulot, Strike One. Commandant, nous pouvons commencer à étudier les nouveaux artefacts immédiatement, si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres.
Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier Bradford. J'ai deux rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Vous devriez y aller. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Le grenadier est notre expert en armes lourdes. Avec son lance-roquettes, il s'occupe de toutes les démolitions. Les snipers sont les spécialistes des tirs à distance. Sans un entraînement adapté, ils sont très vulnérables en combat rapproché. Les commandos forment notre ligne de front. Ils sont les premiers à engager le combat et les derniers à partir. Le sapeur procure un avantage intangible à toutes les squads. Quand ce soldat de soutien est dans le coin, tout le monde se sent mieux. Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Ah, commandant. J'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. À ce propos, le docteur Vallon nous a envoyé des schémas. Avec votre accord, nous commencerons la production. Si nous voulons vraiment agrandir nos installations, nous allons être obligés de creuser sous la base. Malheureusement, plus les excavations seront profondes, plus le coût des travaux augmentera. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Vallon. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Oui, je pense aussi que ces recherches sont prioritaires. Nous allons commencer immédiatement. Je vous préviendrai dès qu'un rapport complet sera disponible.